Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. C'est au moins la quatrième fois qu'on le fait, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas le choix. C'est Fortnite qui ont décidé. Hop, on n'oublie pas le petit code créateur Ensu dans la boutique Fortnite, c'est gratuit, ça me soutient énormément. Et puis ça évite de mettre le code créateur d'un grand streamer très connu. Comme ça, moi, vu que je suis pas très connu, ça me soutient, ça me fait plaisir. Et donc voilà. Évidemment, les gars, je vous le dis pas assez, mais tous les défis sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, s'il y a un défi que vous n'arrivez pas, vous le marquez dans la barre de recherche avec marqué NSQ, sinon vous n'allez pas trouver ma vidéo. Et vous pouvez vous dire, bah, au pire, c'est pas grave, je regarde la vidéo d'un autre YouTuber. Alors, déjà, premièrement, ça me soutient pas si vous regardez la vidéo d'un autre YouTuber. Et deuxièmement, les autres YouTubers, peut-être que leurs vidéos sont moins bien expliquées que moi. Parce que moi, j'essaye de toujours vous expliquer la meilleure solution. Et de toujours bien vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans les moindres détails. Donc c'est pour ça que je vous conseille de regarder ma vidéo, mais après vous faites ce que vous voulez. C'est comme le code créateur, hein, c'est comme vous voulez. Donc c'est parti, on lance la petite partie. Évidemment les gars, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de montage. Tout simplement parce que c'est en direct, enfin c'est pas un live, mais je fais en direct la vidéo sans montage. Comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de trucage, tous les défis sont très simples. Ou en tout cas, s'ils sont durs, je vous montre comment les rendre simples grâce à moi. Et puis voilà, hein, c'est comme ça qu'on fait ici. La petite partie qui va se lancer. On peut voir la map qui est très jolie là-bas. On est sur mon compte secondaire, les gars. C'est pour ça que j'ai un skin Bambi. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je vous vois déjà rigoler. Vous pouvez, en vrai. Vous pouvez tous rigoler en commentaire. Mais c'est mon compte secondaire parce que j'ai déjà fini tous les défis sur mon compte principal. Et oui, oh là là, je suis trop fort. Mais en même temps, c'est normal. J'avais envie de vous faire les défis sur mon compte principal pour ben, vous montrer les meilleures solutions. Et puis du coup, ben, j'ai réussi à trouver les meilleures solutions. J'ai évidemment réussi. Mais bon, comme ça au moins je recommence un autre compte. Et puis vous voyez ben, que les défis sont pas si durs que ça. Évidemment, on va aller camper. Bon, faut faire attention. Parce que on sait jamais. Si un ennemi nous attaque, donc on va se barrer de là. Pourquoi camper, vous allez me dire? C'est pour faire le défi, tout simplement. Vous pouvez faire vos défis en tuant des gens, mais le problème, c'est que si c'est la personne qui vous tue, ah bah c'est mort pour vous. Donc c'est pour ça, vaut mieux ne pas prendre de risques, ne pas faire de kill, et tout simplement camper pour le défi. Parce que camper en arène, c'est pas cool, mais camper pour faire un défi, ça fait de mal à personne. C'est pas comme si vous campiez pour faire top 1. Là, on veut juste faire le défi. Et donc, le défi, c'est la dernière fois qu'on va le faire, malheureusement. Ou heureusement, parce que vous en avez peut-être marre de voir 4 fois la même vidéo. Mais le défi est très très simple. Vous allez voir. Hop. On va évidemment camper. Et je vais vous montrer dans les paramètres. Hop. Paramètres. Contrôle clavier. Vous descendez jusqu'en bas. Vous montez un petit peu au-dessus de créatif. Vous voyez, il y a beaucoup de touches en créatif. Entrée de renfort, ouvrir le choix du renfort, et faut changer cette touche. Donc moi j'ai mis trait d'union, parce que de base c'est la touche numéro 7. La touche numéro 7 c'est une touche 7 anglaise, c'est pas la vraie touche numéro 7 de votre clavier, c'est une touche anglaise, j'ai déjà testé. Et pour avoir le clavier anglais, il faut faire Windows espace, mais je vous conseille pas parce que vaut mieux garder le clavier français, c'est mieux. Mais si jamais vous pouvez pas changer la touche, voilà, je vous donne l'astuce. Et pour changer votre touche, il faut lancer une game. Si vous êtes dans le lobby, ça ne marche pas, je vous le dis direct. Parce que j'en vois déjà qui me disent, ah je peux pas changer la touche, c'est dans une game les gars. Je sais, c'est buggé, mais bon. C'est comme ça, hein. C'est pas moi le créateur de Fortnite. Donc bon. Et vous voyez que pendant qu'on parle, en haut à droite, enfin en bas à droite, au-dessus de mon inventaire, il y a le renfort qui arrive. Et hop, voilà, c'est validé. Vous voyez le renfort qui est validé. Alors je ne vais pas appuyer sur le renfort, parce qu'on n'a pas besoin. Le défi, c'est tout simplement avoir un renfort. Ils n'ont pas dit activer le renfort. Donc, on peut voir que c'est validé. Et activer un renfort, ça sera dans la deuxième partie, évidemment. On n'oublie pas le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite pour acheter le pass de combat, ça me ferait très plaisir. Le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires. Allez, ciao!